Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en ce beau samedi matin au webinaire Quand la motricité globale contribue aux premiers apprentissages de la lecture. Je me présente, je suis Frédéric Dufresne, coordonnateur de la table de concertation en petite enfance de Montréal-Nord et je suis très heureux de vous accueillir en ce beau samedi matin. Aujourd'hui, notre sujet. Dans le grand domaine de l'ailé, on pourrait peut-être l'appeler le parent pauvre dans la mesure où, vous savez, en éveil à la lecture, il y a beaucoup de ressources, alors qu'en éveil à l'écriture, on en retrouve peut-être un peu moins, peut-être moins d'informations aussi disponibles à ce sujet-là. Donc, ça confirme la pertinence de notre rencontre ce matin. Alors, notre objectif, bien sûr, c'est de vous donner une vision plus précise des enjeux d'apprentissage à l'écriture et ses ramifications avec la motricité globale. Et bien sûr, vous pister en tant que praticien et praticienne vers des pratiques probantes qui respectent le goût des enfants. Je dois souligner d'entrée de jeu que cet événement est le fruit d'une collaboration entre Réseau Réussite Montréal, représenté par Marise Perrault, qui est agente de liaison et de développement en lecture, et de Mireille Aubin, qui nous soutient à la technique. Et il y a aussi le support du site Internet en ressources ailées de Montréal, La Fabrique des petits lecteurs. C'est très intéressant, bourré de ressources en ailées. Et de la CPEFMN, donc notre concertation Petite Enfance Famille à Montréal-Nord, qui est représentée par moi-même, et Lorraine Cyr, agente en transition de scolaire de qualité. Et enfin, il y a deux autres membres, trois autres membres du comité ailé, il faut que je mentionne. Alors, Amal Farah et Ourida Tim-Céline du bureau coordonnateur de Montréal-Nord, et enfin Robin Paquette du réseau des bibliothèques de Montréal-Nord. Alors, ces gens étant remerciés, alors dans quelques minutes, on va avoir une présentation conjointe de nos deux conférencières qui va durer environ 1 heure. S'en suivra une période de questions d'environ 30 minutes, laquelle sera animée par Maryse Perrault et Lorraine Cyr. Alors, voici quelques consignes pour ce faire. Si vous avez des problèmes techniques, alors c'est par le chat, donc le module de conversation chat que vous utilisez. Si vous voulez poser des questions à nos conférencières, en lien avec le contenu. Alors, si vous passez par le QER ou le QNR, ça dépend si votre version est en français ou en anglais, qui est au centre de la barre de menu de votre module Zoom. Pour la faire apparaître, vous n'avez qu'à agiter la souris et ce barre de menu devrait apparaître. Et donc, comme nous serons nombreux, s'il vous plaît, ne levez pas la main pour poser des questions, allez les poser directement dans le QER. Vérifiez si votre question n'a pas déjà été posée, vu qu'on est peut-être plus que 200. Ça va peut-être faciliter la tâche à nos modératrices pour poser les bonnes questions. Et notez par ailleurs que vos questions et commentaires sont publics et seront vus par tous les participants. Néanmoins, vous n'avez pas à gérer votre caméra et votre micro. Vous ne pouvez pas être vu ni entendu en tant que participant en prenant part à notre webinaire. Enfin, ce webinaire-là est enregistré et sera disponible pour rediffusion. Un dossier documentaire vous sera envoyé à la fin de la présentation avec l'hyperlien pour revoir le webinaire, les grandes lignes de son contenu et une bibliographie que vous pourrez utiliser par la suite. Et après coup, nous vous enverrons à la fin de cette rencontre-ci un questionnaire d'évaluation que je vous prie bien noblement de vouloir compléter. Alors, je vous présente nos deux conférencières. Alors, d'une part, il y a Mme Joanne April, qui est professeure au département de sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est membre chercheuse de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Très bonne infolettre, je vous la recommande. Également, aussi membre de cette équipe de recherche-là, il y a avec nous Mme Annie Charon, qui est professeure au département de didactique de la science des facultés, de la faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Alors là-dessus, mesdames, je vous demande de réallumer vos caméras et c'est avec plaisir que je vous cède la parole pour ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Ben, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci d'être en si grand nombre. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à nos travaux. Merci au réseau
Réussite Montréal pour l'invitation également, qui nous permet de communiquer notre passion d'une part et de communiquer évidemment nos travaux de recherche. Alors, sans plus tarder, je débute. Je vais partager mon écran donc pour le. Alors, est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon, parfait. Alors ici, on a un titre qui nous amène quand même au cœur de notre présentation, c'est-à-dire avant même de porter un crayon à la main, l'enfant a besoin de tonus et de contrôle musculaire. Alors, la présentation a comme visée, si vous voulez, d'une part, de situer la place du développement de l'enfant, du développement psychomoteur de l'enfant dans le développement de l'émergence de l'écriture. Et en deuxième lieu, de présenter les conditions favorables à l'émergence de l'écriture. Vous allez voir apparaître un petit point d'interrogation en jaune sur l'ensemble des diapositives. Alors, nous avons lu les questions, nous avons regardé les participants qui se sont inscrits pour l'atelier. Donc, à partir du moment où vous voyez les petits points d'interrogation, ça veut dire que nous pensons que cette diapositive-là, dans le fond, répond à vos questions. On voit aussi que vous êtes d'un peu partout, hein, tous azimuts, alors autant des éducatrices, des enseignantes, des directions, des agents de relations, des kinésiologues, des psychoéducateurs. Alors, on souhaite que le discours intéresse l'ensemble des participants. Nous avons passé un déroulement en trois étapes, en trois parties. Pour nous, c'est essentiel de présenter notre posture au regard du développement de l'enfant. Alors déjà, on va débuter avec notre posture sur comment l'enfant apprend en abordant quelques fondements théoriques. Là, c'est vraiment une mise en bouche, si vous voulez, de mettre la table et des éléments théoriques sur l'émergence de l'écrit. Par la suite, on va davantage discuter sur comment l'enfant se développe, mais spécifiquement de la motricité globale. Alors, on va essayer de faire le pont, hein, le lien entre le développement psychomoteur et en quoi qui contribue au développement de l'émergence de l'écriture. Et finalement, on va apporter quelques conditions signifiant qu'on appelle naturel sur qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans le fond pour favoriser ce développement d'émergence de l'écrit par la motricité globale. Et il y aura effectivement une période de questions par la suite. Alors, on débute déjà la première partie. Ici, on pourrait se poser la grande question et par rapport à la perspective développementale. Souvent, ça reste assez abstrait, mais la question à se poser, tant qu'à moi, c'est à savoir à quoi sert l'éducation, à quoi sert l'école. Et à la lumière de cette question, c'est la réponse à cette question-là qui va nous renvoyer systématiquement, tant qu'à moi, au regard que l'on porte sur le développement de l'enfant. Alors ici, nous, notre posture, nos lunettes, hein, vous voyez l'image, la lunette, c'est vraiment où l'ensemble, je dirais, des réflexions, des pratiques, des interventions se situe sous le courant humaniste. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on croit au potentiel inné de chaque enfant. Et le chaque enfant est très important parce que chaque enfant a son propre potentiel. Ça veut dire qu'on considère qu'il est capable de créer, hein, de créativité, qu'il est capable de faire des choix, qu'il est capable de penser par et pour lui-même. Donc, il est capable aussi de s'épanouir, et construire, si vous voulez, les connaissances au regard de ses propres stratégies ou ses propres démarches. Et tout ce regard-là, ces lunettes-là qu'on porte sur l'enfant qui est centré sur ses besoins, bien ça vient teinter forcément nos choix pédagogiques, nos intentions pédagogiques et nos interventions. Et ça sous-tend comme éducatrice. Ici, quand je vais parler d'éducatrice avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants qui gravitent autour de l'enfant, bien ça veut dire que l'éducatrice va inviter l'enfant. Et inviter l'enfant ici, c'est un mot qui est chargé de sens, hein, pour aller rejoindre la perspective développementale. Donc, d'inviter l'enfant à rechercher lui-même les informations, à résoudre lui-même les problématiques, à confronter les idées, à venir verbaliser ses démarches et ses stratégies. Puis là, ici, on est dans le développement psychomoteur. Le premier moyen de communication à l'enfant, c'est son corps. Okay? Donc, et on voit beaucoup dans nos programmes à être acteur. Mais moi, je dirais, au-delà d'être acteur, et répondre à un metteur en scène, dans le fond, c'est davantage être auteur de la construction de ses connaissances.
Alors, ça demande quand même avec les tout-petits, hein, de les amener à un respect des idées de l'autre, de les amener à être bien avec eux-mêmes, à donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et de là découlent nos principes pédagogiques. Alors ici, peut-être un langage qui est un peu plus familier, qu'on retrouve davantage dans nos programmes, autant accueillir la petite enfance que des programmes 4 ans, 5 ans. Donc, ça nous amène, ça sous-tend des principes pédagogiques quand on parle d'unicité, singularité. Donc, c'est considérer l'enfant comme avec des potentiels uniques par rapport à lui-même. On amène aussi comme principe pédagogique le jeu. On va revenir un petit peu plus tard au niveau du jeu, mais pas n'importe quel jeu. L'importance de manipuler, de découvrir, l'importance de construire à partir des sens, etc., etc., etc. Donc, le développement psychomoteur ne concerne pas uniquement l'aspect physique, mais peut être vu comme une source d'épanouissement, hein, du plein potentiel, comme un moyen pour d'action sur l'environnement, mais comment rentrer en relation avec soi, d'une part, en relation avec les objets, les autres et son environnement. Et ici, ce qu'on dit, c'est qu'on va chercher le principe, l'autre principe qu'on parle beaucoup aussi en éducation, qui est le favoriser le développement global. Donc, ce n'est pas parce qu'on met en place des expériences motrices qu'on développe uniquement la psychomotricité, mais davantage plus les différents aspects du développement. Puis c'est un peu ça qu'on va vous amener au courant de toute la présentation. Alors, je vais laisser Annie poursuivre donc avec les fondements au niveau de l'émergence de la lecture-écriture. Oh, avant, peut-être, il y a une petite citation, excusez-moi. Donc, si les enfants ne peuvent apprendre la façon dont nous enseignons, bien, nous devons apprendre la façon dont ils apprennent. Ici, ça veut dire, puis là, c'est ça, je veux revenir un peu à ma question, à quoi sert l'éducation, à quoi sert l'école? Dans le fond, c'est d'amener des citoyens épanouis, responsables, qui vont venir contribuer à l'évolution de l'humanité. Alors, la présentation va vous amener à dire qui est cet enfant derrière la matière, qui est cet enfant derrière une discipline, si vous voulez. Alors, on poursuit, je te laisse la parole à Annie. Alors, bien, bonjour tout le monde. Avant d'en arriver à vous présenter les premiers apprentissages reliés à l'écriture, c'est vraiment important pour nous de vous expliquer tout ce qui concerne l'émergence de l'écrit. Donc, il y a des personnes qui nous avaient posé comme question, bien, c'est quand la meilleure période pour l'émergence de l'écrit? Dans les écrits scientifiques, ce qu'on remarque, c'est que la période qui est dite charnière, on voit une tranche de 0 à 6 ans. C'est là qu'on va aller finalement, c'est tout ce qui concerne avant l'enseignement formel et systématique. Donc, tout ce qui concerne les connaissances, les habiletés, les attitudes qu'on va développer chez l'enfant. Mais vous me comprenez bien avec tous les propos que Joanne vous a mentionnés juste avant moi, que ce développement-là ne s'arrête pas à 6 ans. On est vraiment dans une période charnière d'émergence de l'écrit qui vont permettre de situer comme il faut les premiers apprentissages de l'écriture, de la lecture également, pour ensuite, au primaire, en arriver avec un enseignement plutôt formel et systématique. Et c'est important de mentionner que cette période-là du 0-6 ans, c'est les parents, c'est les éducateurs, les éducatrices, les enseignants à la maternelle 4 ans, 5 ans, qui vont être là pour aider tout ce développement-là, toujours dans une approche là, bienveillante qui répond aux besoins des enfants. Il existe beaucoup de modèles sur l'émergence de l'écrit. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de m'appuyer sur le modèle de Giasson, qui est un modèle reconnu d'une chercheuse québécoise. Le modèle aujourd'hui dont je vais vous parler, on pourrait dire qu'en émergence de l'écrit, il y a des habiletés de bas niveau, des habiletés de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai pris le choix de vous parler des habiletés de bas niveau, mais les habiletés de haut niveau sont généralement beaucoup plus associées aussi à la compréhension, à la lecture. Mais comme on voulait se concentrer sur l'écrit aujourd'hui, on va rester avec les habiletés de bon niveau. Donc, tu peux enchaîner, Joanne, sans problème pour la prochaine. Donc, j'ai eu le goût de vous présenter les 5 composantes de ce programme, mais ce modèle d'émergence de l'écrit. Et même si on parle d'émergence de l'écrit, la première composante est reliée au langage oral. Parce qu'on sait que le socle
du langage écrit, bien, c'est le langage oral. C'est vraiment ce qui est à la base du langage écrit. Puis, on le sait que les enfants qui ont un langage oral qui est solide, qui est riche, ça va être beaucoup plus facile par la suite pour cet enfant-là de passer à ses premiers apprentissages, autant en lecture, mais aussi en écriture. Et puis, tout ce que vous allez mettre en place comme pratique pour soutenir le langage oral, bien, c'est ça qui va être vraiment, vraiment important chez l'enfant. Puis, je vous ai mis en rouge dans la présentation les interventions que vous allez pouvoir faire pour favoriser vos pratiques de langage oral, pour favoriser le développement du langage oral chez les jeunes. Donc, vos pratiques vont devoir être centrées sur l'enfant. Donc, ça va être votre capacité à offrir à l'enfant une réponse positive à ses besoins, à ses intérêts. Vous allez aussi avoir à promouvoir les interactions verbales, c'est-à-dire qu'il va falloir vous favoriser les échanges entre l'éducateur, l'enseignant, avec l'enfant ou même favoriser des échanges entre les enfants également. Puis, vous allez aussi offrir un modelage langagier, c'est-à-dire que vous allez employer des nouveaux mots, vous allez amener l'enfant à les utiliser lorsqu'il va raconter, lorsqu'il va s'exprimer. Donc, ça va être un beau rôle à jouer pour ce qui est du langage oral. Ensuite, vous avez un rôle à jouer en ce qui concerne la clarté cognitive. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, la clarté cognitive? C'est ce qui concerne toute la compréhension reliée au fonctionnement des livres, mais aussi au fonctionnement des mots écrits. Donc, quand vous allez utiliser l'écriture, par exemple, avec les enfants, bien, c'est important de leur expliquer les fonctions. À quoi ça sert d'écrire? Si vous écrivez un petit mémo là, pour vous rappeler de dire quelque chose à maman ce soir, bien, vous le mentionnez à l'enfant. Ah, je ne veux pas oublier, je le garde en mémoire parce que ce soir, j'ai quelque chose à dire à ta maman ou à ton papa, par exemple. Puis, ça concerne aussi toutes les conventions reliées à la langue écrite. Donc, je dirais qu'une des bonnes interventions avec les plus petits, c'est d'utiliser la littérature jeunesse. Ça va vous permettre de travailler, ben pas, je dirais pas de travailler, j'aime pas ce terme-là, mais c'est vraiment de développer. C'est ça qui va être vraiment important avec les enfants, de leur apprendre des choses, mais aussi de développer chez eux toutes ces compétences-là reliées à l'émergence de l'écrit. Ensuite, vient ce qu'on appelle la connaissance ou la reconnaissance des lettres de l'alphabet. Ben, vous le savez, dès qu'ils sont jeunes, on commence déjà à réciter sous forme de chanson la comptine de l'alphabet. On va commencer à lui présenter certaines lettres, davantage celles de leur prénom, parce qu'on sait qu'il y a le côté affectif relié au prénom. Donc, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Puis, on va commencer aussi à nommer le nom de la lettre, mais on va aussi vouloir lui donner son son. On sait que les voyelles ont le même nom et le même son. A, ça fait A. O, ça fait O. Mais on sait très bien que la consonne B, par exemple, elle s'appelle B, mais elle fait le son B. Alors ça va être des choses à présenter également à l'enfant. Toujours sous forme de jeu, toujours dans un contexte naturel, en partant de leur prénom. Quand vous marchez dans la rue, vous arrivez devant un commerce, vous pouvez regarder les lettres. Donc, mais je vous dirais que le prénom, c'est vraiment la porte d'entrée par excellence pour y arriver. Ensuite, la quatrième composante du modèle de l'émergence de l'écrit, on rentre maintenant dans la conscience phonologique, qu'on appelle aussi parfois la sensibilité phonologique chez les enfants plus jeunes, parce que quand on dit conscience, c'est que l'enfant devient conscient d'eux. Donc, la sensibilité, ça peut venir un peu plus avant. Et dans le fond, ça, bien, c'est lorsque vous allez jouer avec les sons avec les enfants. Donc, on va parler des fois de conscience phonologique, mais plus précisément de conscience syllabique, de conscience phonémique, mais tout ça rentre sous l'onglet de conscience phonologique, donc de séparer des mots en syllabes, mais toujours dans un esprit très moteur. On peut sauter dans des cerceaux, par exemple, pour savoir, comme dans le nom Annie, j'ai combien de syllabes dans mon nom, par exemple. Donc, on va être vraiment en train de travailler cette conscience-là que lorsqu'on dit que chaque graphème est associé à un phonogramme, vous allez avoir toutes ces informations-là. Puis, vous pouvez faire des rimes, mais bref, utiliser les comptines, c'est une bonne porte d'entrée notamment pour ça. Puis de jouer avec les prénoms encore, puis les mots, des mots qui ont du sens pour les enfants, bien entendu. Et la dernière composante du modèle d'émergence de l'écrit de Giasson, c'est le principe alphabétique. Donc, c'est quoi le principe alphabétique? On pourrait encore parler de sensibilisation avant de compréhension du principe alphabétique. C'est lorsque l'enfant comprend que pour écrire un son, bien, il y a des lettres ou une lettre ou des lettres données pour ce faire. Donc, c'est sûr que si l'enfant, dans un premier temps, connaît ces lettres de l'alphabet,
a été exposé à en connaître quelques-unes, puis plus ça va aller, plus il va en connaître. Donc, plus son prénom est long, des fois, plus ils en connaissent aussi. puis ensuite, on va aller avec la conscience phonologique. Mais tout ça est préparatoire au principe alphabétique. Puis là, peut-être que chez les plus petits, on n'est pas en train de regarder le tout avec des enfants là, d'un an. Mais vous comprenez bien que ce modèle-là, c'est en exposant les enfants tranquillement, en contexte de service de garde, CPE, garderie, puis ensuite à la maternelle. Mais tout ça, ça jette les bases quand viendra le temps ensuite au primaire, dans un autre contexte qui est différent, de pouvoir apprendre le tout. Donc, l'apprentissage par le jeu, meilleure porte d'entrée encore là, les écritures spontanées. À la fin de la présentation, on va vous donner des idées plutôt pratiques. Donc, on va revenir sur ces différentes composantes-là. Pour vous illustrer un petit peu le tout, certaines personnes se demandaient, mais l'apprentissage de l'écriture, ça vient de où? D'où partent les enfants? Bien, vous allez bien comprendre que dans un premier temps, ils partent de leur gribouillis, ils partent de leur dessin. Et c'est vraiment, ce qui est à retenir, c'est que c'est un processus qui est continu et graduel. Donc, on s'attend pas que le jeune enfant, pour écrire dès le départ, utilise des lettres. Et en plus, les lettres dans le bon sens. Il va commencer par écrire des petits gribouillis, comme l'exemple que je viens de vous présenter là. Donc, on voit qu'il y a un petit gribouillis, mais pour nous, peut-être que c'est un gribouillis, mais pour l'enfant, il est en train d'essayer de faire ses premières tentatives d'écriture. Comme je le disais à Joanne récemment, quand j'étais plus petite, j'avais des livres de comptabilité de mon père dans lesquels je faisais juste des vagues. Et moi, j'étais certaine que j'écrivais. Donc, l'écriture part de là. Les enfants, des fois, vont... Le deuxième, là, pour le stade de distinction entre le dessin et l'écrit, là, c'est mon petit Jean-Guy à qui j'ai demandé d'écrire le mot « éléphant ». Bien, il m'a dessiné l'éléphant qu'il y avait sur ma petite carte pour l'aider. Et lui, il est certain qu'il vient d'écrire le mot « éléphant ». Et là, ensuite, on voit que Eric, lui, on lui a demandé d'écrire, puis il écrit quelques lettres. On voit qu'ensuite, il y a un autre stade. Donc, il y a des stades d'écriture. Ces stades-là, c'est important de mentionner qu'on peut être pour un mot dans un stade syllabique, mais l'enfant peut être dans un autre stade pour un autre mot qui est peut-être plus complexe, moins connu pour lui. Donc, ce n'est pas seulement des stades de développement, là, un à la suite de l'autre. On peut naviguer entre certains des stades. Puis pour attirer un peu plus votre attention, je vous présente des enfants. Ici, vous voyez... on leur a demandé de se dessiner et d'écrire leur prénom, sans modèle, comme ils le pensent. On a mis le petit Ryan. Au mois d'octobre, il avait 60 mois, puis au mois de mai, il en avait 67. Donc, Ryan est en contexte de maternelle 4 ans à temps plein. Et bien, vous voyez l'évolution entre le début et la fin de l'année pour Ryan. Ça veut dire que son enseignante a mis en place des contextes pour l'amener à développer son schéma corporel, mais aussi l'écriture de son prénom. On en défile rapidement d'autres. Donc, vous voyez même Judia. Regardez, au mois de novembre, les parties de son corps ne sont même pas associées, ne sont pas tous collées après son corps. Mais quand on regarde au mois de juin, ah, là, maintenant, tout est collé. Puis, on voit qu'il y a une évolution aussi au niveau de son prénom. On a Ibrahim, même chose. Donc, on a même indiqué que ça, c'est sa tête, ça, c'est ses bras, ses jambes, pour être certain. Et on voit Ibrahim à la fin. On voit même Élie Rose, intéressant comme cheminement entre le début et la fin de l'année. Moi, j'en reviens pas. Cette petite fille-là a sûrement développé un goût pour le dessin. Et on a notre petit dernier ensuite, qui est Jacob. Donc, on voit Jacob au début de l'année, puis on voit Jacob à la fin de l'année, une première lettre qui apparaît. Donc, on ne peut pas avoir des attentes similaires pour tous les enfants. Il faut les observer, il faut voir avec ce qu'ils arrivent, lorsqu'ils arrivent dans notre groupe, que ce soit comme éducatrice, mais même si vous êtes un spécialiste qui ne suit pas les enfants chaque jour, bien, d'avoir des fois des portraits, ça nous permet de voir l'évolution de l'enfant. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire un peu plus pour le modèle d'émergence de l'écrit. On en saute avec la deuxième partie de notre présentation. Merci, Annie. Alors, cette deuxième partie, c'est la partie qui va faire le pont, comme je vous disais, vraiment entre le développement de la motricité globale, mais le développement du tonus musculaire, de la stabilité, pour arriver à une meilleure mobilité, pour arriver à des mouvements un peu plus en contrôle, si vous voulez, moins volontaires sur l'émergence de l'écrit. Alors, avant de passer là, de la motricité globale, on trouvait ça vraiment déterminant, essentiel de dire pourquoi on s'intéresse à la motricité comme agissant sur l'émergence de l'écrit. Okay?
Mon petit bonhomme à droite, là, je vais y revenir tantôt parce qu'il fait, il a été un peu l'initiateur là, d'une recherche-action, puis on va y revenir tantôt. Donc, l'activité physique contribue au développement sain des enfants et favorise une bonne santé et est un besoin de base essentiel au développement du plein potentiel. Oui, parce que le développement moteur, comme je disais tantôt, c'est l'instrument de base pour la personne, pour se connaître, pour rentrer en relation et pour comprendre le monde autour de lui. Toutefois, le manque d'activité physique des enfants, des jeunes Canadiens, se répercute non seulement sur leur santé corporelle, mais aussi sur le développement de leur cerveau, et plusieurs auteurs s'y inquiètent. Les experts au développement de l'enfant, les experts en éducation préscolaire, et de plus en plus les pédiatres, qui se préoccupent beaucoup sur la surstimulation du développement cognitif. Donc, ici, on parle lecture, écriture, mathématiques, mais au détriment des besoins de base, dont le développement psychomoteur. Alors, on vous amène trois diapos là, sur pourquoi on s'y inquiète, mais j'ai débuté par des statistiques assez inquiétantes. C'est-à-dire seulement 36 % à 44 % selon l'âge prennent part régulièrement à des activités physiques chaque semaine. Et là, ici, on est en train de parler d'un besoin de base. Okay? On estime que 27 à 22 % selon les âges, encore une fois, au niveau des enfants, qui regardent plus de 2 heures de télévision par jour. À cet effet, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux dernièrement, mais les pédiatres s'inquiètent parce qu'en temps de pandémie, la sédentarité, ou du moins le temps d'écran, est doublé, voire triplé chez les jeunes enfants. Et au Québec, plus de 26 % des 2-5 ans présentent un surpoids. 1 sur 7 présente un excès de poids. Près de 4 % sont considérés obèses et 10 % présentent de l'embonpoint. Mais ce qui m'apparaît encore plus inquiétant, c'est que selon une étude américaine, seulement 90 % pas seulement, mais près de 90 % du temps dans les milieux de garde préscolaire et maternelle sont à prédominance sédentaire. Alors ici, c'est inquiétant, oui, pour le développement de l'enfant, de sa santé globale, d'autant plus que c'est dans nos programmes. Donc, que ce soit accueillir la petite enfance, que ce soit le programme 4 ans, 5 ans, on a soit un domaine ou une compétence selon les termes et les programmes sur le développement psychomoteur. Alors, voilà. Pourquoi qu'on s'y intéresse aussi, c'est au-delà des bénéfices, hein, donc qui sont au niveau de la dimension biologique, anatomique, neurologique, etc., le développement psychomoteur a une pertinence aussi au niveau, évidemment, de l'aspect moteur. Fait qu'on voit dans le premier encadré, là, bon, une meilleure coordination, affine certains mouvements, etc. On a aussi des incidences sur le développement socio-affectif, hein, et on a des incidences également sur le développement cognitif. Donc, c'est sûr que par conséquent, plus l'enfant développe une représentation de son corps, donc tantôt la petite Élie, je crois, qui est passée du bonhomme patate à un bonhomme avec des couleurs, avec des précisions, bien, c'est une meilleure représentation de son corps intériorisée, donc une image davantage mentale de son corps positive, et par extension, bien, ça l'amène à développer plus de confiance, plus de capacité à s'exprimer, etc., etc. Au niveau cognitif aussi, donc ici, quand on parle de développement cognitif, on est beaucoup plus dans les stratégies cognitives, métacognitives et des fonctions cognitives, donc la mémoire, la pensée, la créativité, etc. Alors, si on poursuit, on dit quelle que soit leur intention, leur intensité, leur fréquence, leur durée, la variété, etc., de mettre en place des activités psychomotrices, ça a des effets, oui, immédiats, mais également dans le temps sur la santé globale de l'enfant. Alors ici, on parle de bénéfices sur les capacités cardiovasculaires, respiratoires, sur les habiletés motrices fondamentales. Alors, on va voir tantôt là, pour les kinésiologues qui sont dans la salle, donc les liens entre la motricité globale ou ses dimensions avec les habiletés motrices fondamentales. Et évidemment, ça a des incidences sur la composition corporelle qu'on parlait tantôt dans nos statistiques inquiétantes. Mais ça a aussi des incidences pour prévenir les troubles d'apprentissage en lecture, écriture, mathématiques. Alors, on va davantage plus se centrer aujourd'hui sur les éléments de l'émergence de l'écrit. Alors ici, ben, c'est une petite diapo un petit peu en boutade, dans le sens où on dit un enfant qui ne gigote pas, hein? Un enfant qui n'interrompt pas les autres quand il parle. Un enfant qui n'est pas constamment en train de bouger au lieu de bouger a un avenir prometteur.
L'apprentissage de l'autocontrôle, donc l'inhibition qu'on va voir un peu plus tard, est nécessaire et déterminant. Et l'enfant est encore à apprendre à exprimer ses besoins par son corps, à entrer en relation avec les autres, mais cette inhibition-là, cette capacité de freiner hein, des muscles, des groupes de muscles, etc., mais il est toujours en apprentissage. Donc, la psychomotricité fait appel à un ensemble de fonctions anatomiques, neurologiques, mais qui va venir assurer le mouvement et le développement de l'enfant, mais qu'il est toujours en apprentissage. Donc, avant l'école, on dit qu'il faut leur fournir un foyer intellectuel et non pas de leur faire l'école. Il faut leur fournir une multitude d'expériences motrices pour amener le fonctionnement neuromusculaire. Et ça, c'est un enjeu de santé globale. Ici, on rentre directement dans le concept de développement de psychomotricité. Et j'ai amené cette diapo-là pour un peu, vous, encore une fois, vous amener nos lunettes à nous, notre posture dans tout ce concept. Ce concept-là a évolué énormément dans le temps. Évidemment, au départ, on utilisait davantage le terme de thérapie psychomotrice parce qu'on intervenait auprès des personnes bon, psychotiques, prépsychotiques. Et là, cette approche-là, avec le temps, est apparue en termes de rééducation psychomotrice parce qu'on a dit si ça fonctionne avec les enfants ayant tel type de comportement, bien, ça pourrait aussi fonctionner avec les enfants ayant des difficultés, des retards ou des troubles de comportement ou d'apprentissage. Alors ça, c'est apparu au Québec, vraiment dans les années 60, la rééducation psychomotrice. Mais de cette approche est apparue par la suite l'éducation motrice et dans une posture ou une orientation qui est beaucoup plus globale, c'est-à-dire où on passe par l'activité physique pour favoriser le développement global. Et de cette approche, Paoletti, dans les années 90, il dit « Attention, on a ici deux orientations. On a celle de l'éducation physique qui appartient plus à une discipline, donc à nos kinésiologues, éducateurs physiques, mais il y a celle aussi qui appartient à tous les éducateurs avec, encore une fois, un grand E qui nous dit que l'éducation peut passer par l'activité physique. Alors, tantôt, je vous mentionnais que le corps est un moyen, notre premier moyen de communication, que notre corps servait de fondation et de base pour l'ensemble des autres aspects de développement. Et c'est cette paire de lunettes qu'on va prendre tout au long de la présentation en termes du concept de psychomotricité. La psychomotricité, bien, ça veut dire sept composantes. Hein, vous les avez ici là, dans la fleur. Évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement au niveau de la motricité globale et motricité fine, mais l'ensemble des autres composantes peut aussi contribuer hein, au développement de l'émergence de l'écrit. Mais aujourd'hui, on va placer là, la visée uniquement sur la motricité globale, puisque c'est quand même elle qui sert à actualiser les autres composantes. Alors, voici pour la définition l'importance de la motricité globale. C'est une définition qui est assez commune. Hein? C'est l'ensemble du mouvement du corps qui va assurer l'aisance à le bouger, à le déplacer librement ou en partie. Ici, j'ai une petite anecdote, si vous voulez, qui est le fameux syndrome de la coquille. Alors, on a observé là, plusieurs dizaines d'années une fameuse coquille dans laquelle on pouvait placer l'enfant. Alors, on parle de la coquille, hein, où on place le nouveau-né, puis jusqu'à je ne sais pas trop combien de mois. Et cette coquille-là, elle est merveilleuse, parce qu'on l'amène à l'hôpital, ou peu importe le milieu, avant que l'enfant puisse revienne à la maison. Alors, on prend la coquille, on place l'enfant dans la coquille, et pour éviter qu'il se casse un peu le cou, bien, on y met un peu de tissu, là, un petit bandeau pour s'assurer que la tête reste bien droite. Cette coquille-là est tellement bien faite qu'on prend la coquille, on l'amène dans la voiture et clic, ça se place tout seul, c'est merveilleux. On prend la coquille, on la met dans le carrosse, clic, ça se place aussi tout seul, dans le chariot de l'épicerie, sur la table, dans le parc, partout. Mais pendant ce temps-là, l'enfant, il reste complètement immobile. Alors, pour être parent, donc c'est très pratique, cette coquille, mais pour le développement de l'enfant au niveau du tonus ou du développement, du tonus au niveau du cou, au niveau abdominal, donc au niveau du tronc, qui est la base d'une posture, mais l'enfant est très peu sollicité. Alors, lorsqu'on prend un enfant qui est couché ou qui est assis, vous imaginez tout comment il est en train de développer son tonus au niveau du cou au départ parce que sa tête est très, très, très lourde et par la suite, même au niveau abdominal.
Alors, ces gestes quotidiens-là font partie des expériences motrices que l'on peut offrir aux enfants, donc dans leur multitude, leur variété, parce que le jeune enfant, donc la forme d'activité physique propre au jeune enfant va venir se distinguer par deux éléments. La première, c'est l'activité ludique, et la deuxième, c'est sa brièveté. Hein? Alors, le jeune enfant, là, on ne l'amène pas dans un gym pendant une heure pour dire « on va développer ton tonus musculaire ». Non, ça se passe dans les activités vécues quotidiennement. Donc, telles que s'habiller, défaire son sac, ranger son matériel, etc., etc. Donc, ne pas laisser faire l'enfant, laisser l'enfant initier ces expériences motrices-là, parce que lui, il va aller vers les limites et les possibilités de son corps. Donc, c'est de venir le soutenir puis l'accompagner à travers ces expériences. On va parler ici des quatre dimensions de la motricité globale. Et non, il n'y a pas juste la coordination, il y a trois autres dimensions. La première, c'est l'équilibre. Alors, cet équilibre-là, ben, on la connaît un peu plus, c'est la capacité de maintenir une position, hein, ou un geste sans tomber ni chanceler, pardon. Mais là, on a un équilibre qui est statique ou on a un équilibre qui est dynamique. Donc, l'équilibre statique, souvent, on va la mettre de côté pour mettre plus de place à l'équilibre dynamique, mais elle vient davantage travailler le tonus, le contrôle musculaire. L'inhibition, c'est notre parent oublié, je dirais, des dimensions de la motricité globale. Parce que l'inhibition va se caractériser par le développement du tonus musculaire, par des mouvements de plus en plus volontaires et une meilleure coordination et contrôle musculaire. L'inhibition, c'est la capacité de contrôler, de freiner. Hein? On a des jeux comme le jeu Jean dit, le jeu des couleurs que j'avais dans mon temps. Attendre un signal, il y a un signal de départ, mais il y a un signal aussi pour freiner. Donc, toutes ces habiletés-là vont venir développer un tonus, vont venir assurer un mouvement de plus en plus volontaire, donc moins involontaire. Et l'inhibition, on va en parler tantôt, mais elle a un rôle essentiel à l'acte d'écrire. Hein, parce que l'acte d'écrire amène l'enfant à inhiber certaines parties de son corps ou groupes de muscles, effectivement. Mais tantôt, on va arriver un petit peu plus précisément par rapport à l'inhibition en lien avec l'émergence de l'écrit. Ensuite, on a la coordination, celle-là, c'est, je pense, c'est celle-là qu'on connaît le plus. Donc, il va demander un transfert de poids chez l'enfant, qui va demander une très, très bonne conscience de son corps et une stabilité du tronc. Alors, l'enfant de 2, 3, 4, 5, 6 ans, oui, on voit qu'il y a de plus en plus de coordination, mais qu'il y a un besoin d'avoir une bonne conscience pour coordonner l'ensemble de ses parties de son corps. Et cette conscience-là va partir d'un corps, il y a comme des principes au niveau du développement moteur, il y a du corps vécu, du corps perçu, du corps représenté. Alors, pour que l'enfant soit capable de se représenter mentalement, bien, il faut qu'il l'ait vécu hein, au niveau sensoriel, il faut qu'il l'ait touché, etc. Et finalement, la dernière dimension, c'est la dissociation, qui elle aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a un rôle déterminant au niveau du geste d'écriture. Donc, c'est la capacité de mettre en action un ou plusieurs parties du corps, tandis que les autres demeurent immobiles. Alors, vous voyez bien l'enfant qui est en train d'écrire, en principe, il n'est pas en train de courir en même temps. Il est en train d'isoler l'ensemble de son corps pour aller chercher un meilleur contrôle musculaire. Donc, ça prend également une excellente conscience de son corps, ça prend également une très bonne stabilité du tronc pour arriver à le dissocier. Et ça prend aussi, comme j'ai tantôt, une représentation mentale des mouvements du reste du corps pour le mentaliser, les mettre de côté, pour pas qu'ils servent là, de stimuli, si vous voulez, sensoriel, pendant qu'il est en train d'écrire. Alors, la motricité globale, c'est la composante, je dirais, la plus naturellement explorée par le biais d'activités physiques chez les jeunes enfants. Et elle se caractérise notamment par l'amélioration. Ici, j'ai mis en plus amélioration parce que ce n'est pas la maîtrise, c'est vraiment l'amélioration. L'enfant est en plein développement, est en train de se développer, d'apprendre les limites, les possibilités de son corps. Donc, l'amélioration du tonus, mais pour ça, plus il va vivre d'expériences motrices, plus il va arriver à un tonus. Plus il va être sédentaire, moins il va avoir de tonus ou de stabilité. Donc, l'amélioration des mouvements qui vont devenir de plus en plus habiles, précis, etc., de la coordination et du contrôle du corps. Ici, j'ai amené quelques repères.
Donc, ce qu'on dit, c'est que les mouvements involontaires disparaissent à l'âge de 12 ans. Certains auteurs parlent de 10 ans. Ça veut dire que l'enfant, quand il naît, il y a des mouvements réflexes. Ces mouvements-là deviennent involontaires, donc plus ou moins coordonnés, et puis ils vont devenir coordonnés. Tout l'automatisme qu'on a, nous, pour écrire, l'enfant ne l'a pas. Donc, l'enfant, il doit faire appel à plusieurs sens quand il écrit. Maintenant, il est à travailler son tonus musculaire. Donc, il y a de plus en plus de contrôle. Mais toutefois, il y a un manque de force dans la partie supérieure et abdominale. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé beaucoup plus les membres inférieurs par marcher à quatre pattes, etc., etc. Et c'est intéressant parce qu'il acquiert la vitesse dans son mouvement, mais en même temps, il est incapable aussi de le freiner. Alors ici, il y a une image qui me vient en tête, le jeune, par exemple, qui commence à marcher, qui a une certaine stabilité, puis on l'amène dans une pente. Oh my God! Ou quand il veut commencer à courir. Alors là, tu vois très bien qu'il y a une vitesse qui prend de la place, mais toutefois, il y a la difficulté à venir inhiber cette envie-là d'aller plus vite. Et toute sa difficulté aussi à se détendre et à se relaxer. Ici, c'est important parce que lorsqu'on demande, on dit à un enfant, calme-toi, calme-toi. Ben, c'est peut-être plus au niveau physique hein, qu'il y a une incapacité de relâcher certains muscles ou groupes de muscles. Donc, tout simplement pour vous dire qu'on passe vraiment de mouvement réflexe à mouvement involontaire à mouvement volontaire. Et l'enfant, jusqu'à 7-8 ans, il n'y a pas encore nécessairement la représentation mentale, mais son corps a encore besoin de se développer. Et la contraction involontaire d'un muscle, d'un groupe de muscles, va venir agir sur d'autres groupes de muscles qu'on ignore. Alors ici, ça vient répondre aussi à quelques questions qu'il y avait dans votre inscription. Alors là, je suis en train de construire tranquillement le fameux pont, le fameux passage entre la motricité globale et l'émergence de l'écrit. En parlant de stabilité, je pense qu'avec la motricité globale, on comprend l'importance de développer un tonus musculaire, une certaine stabilité pour arriver à un contrôle. La fameuse main, bien, c'est un sondage que j'avais fait auprès d'enseignantes de maternelle dans le cadre d'une recherche-action pour dire quels sont vos besoins en termes de développement professionnel pour accompagner, soutenir les enfants dans leur développement psychomoteur. Et l'ensemble des réponses m'a amené comme constat un peu ce dessin. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'une main très, 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 très forte. Hein? On avait besoin d'une main très, très, très précise, très, très, très habile, avec une super prise de crayon, mais en laissant un corps un peu tout mou, sans tonus, hein? Sans stabilité. Donc, il faut venir faire attention ici pour éviter de développer un seul muscle au détriment du reste du corps. Parce que forcément, la main ne peut pas devenir aussi... aussi forte, aussi précise, aussi habile, si le corps ne peut pas la soutenir dans son tonus. Alors ici, je représente un enfant. J'aurais pu facilement mettre un enfant qui est en train d'écrire, mais on a décidé de présenter davantage un enfant qui est en train de faire des petits bonhommes biscuits et de travailler quand même ses petits muscles fins. Alors, on est vraiment ici de la stabilité vers la mobilité et l'acte d'écrire ou l'acte, comme on voit ici pour l'enfant, de faire des biscuits, c'est une activité qui est perceptivo-motrice. Ça veut dire que c'est toute la capacité d'adaptation des mouvements physiques à l'information sensorielle qu'il reçoit. Donc, écrire ou faire des biscuits n'est pas uniquement un acte moteur. Et d'un acte qui fait référence à un ensemble de consignes qui sont plus ou moins conscientes pour l'enfant. Alors, tout d'abord, bien, il faut qu'il maintienne un cou et une tête stable. Il faut qu'il transcrit aussi le perçu en mouvement. Qu'est-ce qu'on demande à moi? Donc, ici, il faut qu'il ait la capacité de mentaliser la consigne qu'il a eue. Parce qu'il n'a pas la capacité de la mentaliser, bien, il ne la fera pas l'activité. Hein? Il faut qu'il maintienne le corps stable sur une chaise. Il faut qu'il maintienne le bras fixe sur la table. Il faut qu'il bouge les doigts, la main, le bras pour réaliser la tâche. Et ici, vous voyez toute la dimension de dissociation, la dimension d'inhibition en arrière de ça. Il faut qu'il tienne l'objet en question. Il faut qu'il bouge ou fixe les yeux sur la cible. Alors, on voit davantage plus la coordination ici. Alors, quand on dit que c'est une activité perceptivo-motrice, c'est parce que ça fait appel à plusieurs dimensions. Hein? Comprendre la consigne qui m'a été donnée, être attentif à ce que je fais, me concentrer avec toutes les informations que j'appelle multisensorielles. Donc, on dirait que l'acte
d'écriture est un acte qui est extrêmement complexe. Ici, vous l'avez peut-être vu passer, c'est une petite photo qu'on a vu passer sur Facebook dernièrement. Et moi, ça fait beaucoup de sens pour moi parce qu'on voit la main à gauche d'un enfant de 5 ans et on voit la main à droite d'un enfant de 7 ans. Alors, vous voyez au niveau du poignet le nombre d'os hein, qui a pris forme, qui s'est développé dans le fond, qui va venir faciliter l'habileté, si vous voulez, et le contrôle musculaire des petits doigts. Alors, c'est peut-être pour ça que les enfants ne peuvent pas être tout aussi précis, être aussi habiles dans leurs gestes. Là, ici, on parle d'écrire, mais initialement, dans leurs gestes, en termes de dessin. Donc, peut-être qu'il est pour ça qu'il n'est pas capable d'écrire sur une ligne, peut-être c'est pour ça qu'il n'est pas capable d'écrire dans un trottoir, etc. Ici, j'amène un peu comme dernière diapositive qui fait le pont entre la motricité fine et la motricité globale, pardon, et l'émergence de l'écrit. Alors, on vient de parler de toute l'importance de la stabilité hein, du tronc, l'importance de la stabilité des membres supérieurs, parce que ici, on parle d'écriture. Donc, c'est l'ensemble de ces groupes musculaires-là qui viennent solliciter, qui sont sollicités, pardon, pour l'écriture. Alors, ce n'est pas juste de prendre un crayon et un papier puis d'écrire. Ça fait appel à énormément de dimensions. Et cette stabilité-là va nous amener donc à tenir compte à contribuer, si vous voulez, à un certain contrôle musculaire, donc la mobilité des doigts. Donc, c'est le contrôle de plein de petits muscles. Et ici, on parle des doigts, mais on va voir aussi que ça peut affecter d'autres parties du corps. Donc, tenir compte des besoins moteurs de l'enfant avant d'exiger un contrôle parfait de la prise de crayon et d'écrire dans des espaces que j'appellerais restreints. Alors, ça nous amène vers notre motricité fine. Donc, la motricité fine, bien, c'est le produit de mouvements fins, minutieux, faisant appel au contrôle des petits muscles. Alors, ce n'est pas d'écrire, ce n'est pas de tenir un crayon. Ça, ce sont des moyens pour atteindre, c'est-à-dire ce sont les finalités donc, pour atteindre le développement de ces petits muscles-là. Alors, le bon développement de la motricité fine ne peut pas se cultiver isolément, comme vous venez de voir. Donc, d'une part, ça prend un bon tonus musculaire. Et d'autre part, ça prend cette indépendance du tronc versus l'épaule, le coude, le poignet, les mains et les doigts. Donc, on ne peut pas venir développer la motricité fine sans un contrôle musculaire suffisant en termes d'habileté, de précision pour que chacune de ces parties-là puisse bouger indépendamment les uns des autres. Donc, il faut venir assurer la qualité de la préhension. Donc, il faut permettre un ajustement de la pression, du degré de contrôle musculaire. Alors, je le répète, on va le voir de plus en plus par la dimension de motricité fine, comment cet acte-là, elle est complexe. Ce n'est pas juste de tenir un crayon. Cette interdépendance tronc, épaule, coude, mains, doigts, ben, c'est en travaillant ces articulations-là à travers des exercices de beaucoup plus grande amplitude. Hein? Alors, on va voir ici, par exemple, les rubans. Comment venir travailler globalement, parce qu'il y a des lois associées au développement psychomoteur, c'est la loi proximo-distale. Donc, travailler d'abord tout ce qui est près du tronc pour aller vers l'extérieur. Donc, toutes les activités avec des grandes amplitudes des membres supérieurs vont venir assurer un tonus musculaire pour ensuite aller dissocier, inhiber certains autres groupes musculaires. Et aussi en travaillant les articulations des doigts par diverses activités de motricité digitale. Et on parle bien d'exercices de motricité digitale ici. Donc, une manipulation, puis on va revenir à la partie 3, là, d'un ensemble d'objets variés, mais qui est autre que le crayon. Voici les 5 dimensions de la motricité fine. Donc, 5 dimensions, oui, il n'y a pas juste la coordination digitale. Donc, toute la motricité faciale, toute la motricité également buccale. Là, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais en quoi ces dimensions-là vont venir travailler le développement du langage oral aussi. Okay. La motricité oculaire, donc, c'est au niveau plus des petits muscles des yeux, et la motricité des orteils. Mais nous, ce qui nous intéresse davantage pour la présentation, c'est vraiment la coordination digitale, qui est le produit, je répète, de mouvements fins liés à des petits muscles des doigts.
Puis là, on a des exemples, hein? Tenir des petits objets, faire claquer les doigts, jouer de la flûte, faire des boucles. Et tantôt, je vous parlais de mouvements réflexes involontaires, involontaires. On prend juste un enfant, par exemple, qui apporte la nourriture à sa bouche. Alors, au début, c'est pas coordonné, hein? Ça va un peu partout, sauf dans la bouche. Mais c'est à nous à l'amener à développer ce contrôle-là. Et ça, on le voit, Annie le dit dans sa présence, dans les fondements, puis c'est à travers la praxis usuelle. Donc, c'est à tous les jours, mais plusieurs fois par jour, dans des activités signifiantes, dans des activités des contextes naturels et des activités ludiques. Donc, tout ce qui se fait à tous les jours, dans des activités manuelles aussi, d'enfiler des perles, modeler, découper, etc. Et après ça, on arrive au niveau des apprentissages plus graphiques. À propos, nous avons pensé aussi, encore une fois, de vous donner un petit repère au niveau de l'évolution graphique, hein? Encore une fois, par des stades. Ici, on appelle ça plus des types, de partir du pré-schématique, du schématique, etc. Mais avant tout ça, il y a le gribouillis. Mais ce que je trouve intéressant par cette évolution graphique de Gosselin, c'est en sorte toutes le soutien qu'on peut apporter à l'enfant au-delà de la prise ou au-delà du respect d'un espace, mais de travailler au niveau des couleurs, oui, de l'espace, du schéma, du personnage comme tel. Alors, il y a beaucoup d'autres intentions pédagogiques pour le dessin ou pour l'écriture. Alors, on trouvait que ça faisait, en tout cas, ça pouvait amener des référents pertinents à notre présentation. Alors, on a parlé du tonus postural. Hein, en quoi qui peut contribuer à l'émergence de l'écriture? Bien, par sa posture, tout simplement. Du tonus des bras, donc toute la force musculaire et la dissociation, comment qu'elle peut être nécessaire pour l'écriture. La coordination des membres supérieurs, où l'enfant, avec les doigts, doit réaliser des mouvements qui sont complexes, je répète, précis, où il doit être très, très habile. Toute l'inhibition sur l'interruption des mouvements des doigts, hein, par la dissociation de l'épaule, coude, poignet, etc. Et la coordination au culo-manuel aussi pour venir coordonner le travail des doigts et de la main. Alors, l'ensemble de ces tonus-là, que je pourrais dire, ben, vont venir contribuer à l'acte complexe que je vous parle tantôt, donc qui est l'acte d'écrire, mais cet acte d'écrire-là est combiné à plusieurs catégories d'actions. Donc, des actions d'orientation, des actions de préhension, des actions de manipulation, des actions de restitution, etc., etc. Alors, le fameux petit bonhomme qu'on a vu faire des biscuits tantôt, avec l'ensemble des informations sensorielles, alors on pourrait juste cibler, hein, au niveau moteur, tout ce que ça lui prend pour avoir un contrôle précis et habile au niveau de ses doigts. Et tout ça, ben, ça se fait avant l'acte d'écrire. Je poursuis en disant qu'à l'éducation préscolaire, l'enfant ne maîtrise pas la plupart des activités de praxis usuelle ou manuelle. Hein? Mais toutefois, l'écriture est une activité de perceptivo-moteur, comme on a pu représenter ou illustrer tantôt, et ça demande le contrôle et l'articulation des muscles supérieurs. Ça demande de la force, ça demande de la vitesse, du freinage, etc. Et évidemment, l'interdépendance de l'épaule, coude, avant-bras, etc. Donc, retenons ici que le développement de la motricité fine est directement influencé par le développement de la motricité globale et évidemment, le développement de l'émergence de l'écrit est directement influencé par le tonus, la stabilité du corps. Alors, avant de passer à la partie 3, donc, cette étape de développement au niveau motricité fine va venir se caractériser, on le dit, par le développement de la dépendance tronc, épaule, coude, le raffinement de l'appréhension, l'amélioration de la dextérité et l'ajustement. Alors ici, peut-être juste retenir que l'enfant ne maîtrise pas ces éléments-là. Il est en développement et c'est par des activités au quotidien, des activités de la vie courante, plusieurs fois par jour, donc qui va arriver à améliorer l'ensemble de ces dimensions. Alors, on passerait à la partie 3. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Alors, on a eu beaucoup de questions en lien avec les conditions favorables, si vous voulez, au développement de la motricité globale qui contribue à l'émergence de l'écrit. Alors, Annie, je vais te laisser pour cette partie. Alors, on avait beaucoup de questions parce que ce qui vous intéresse, c'est
derrière tout ce développement-là de l'enfant, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme adulte, pour soutenir l'enfant dans son développement, à la fois moteur, mais également l'engager plus précisément sur l'émergence de l'écriture. Donc, si vous nous suivez bien depuis le début, on est vraiment dans une approche de contexte qui est naturel et signifiant. On veut vraiment répondre aux besoins de l'enfant. On ne veut pas tirer trop vite sur la fleur. On veut lui donner le temps de bien mettre en place toutes les choses. Donc, on a sorti des points, puis probablement que c'est peut-être des choses que vous faites peut-être déjà, mais on veut enfoncer le clou. On veut vraiment, puis on veut vous donner d'autres idées, puis démontrer que le travail, tout ce que vous faites avec les enfants pour le soutenir, c'est vraiment très, très important. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, la porte d'entrée, c'est un développement puis un apprentissage par le jeu. Le jeu à l'intérieur de votre local, mais ça peut être le jeu à l'extérieur également. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, il faut savoir que chaque enfant, lorsqu'il arrive dans votre groupe ou dans votre classe ou peu importe, dans votre bureau de consultant, il arrive avec son petit baluchon, puis il y a des petits baluchons qui sont plus remplis, puis d'autres moins remplis. On les prend d'où ils sont rendus, on les observe. C'est pas tous les enfants qui ont eu la chance d'avoir un contexte stimulant des fois. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire pour chacun d'eux pour respecter son unicité puis pouvoir l'amener plus loin selon ses besoins, ses forces, mais également ses défis. On va souvent, comme Joanne le mentionne tout le temps, on va souvent partir plus vers le simple pour aller de plus en plus vers le complexe. Si on s'attend à avoir juste une grosse main puis qu'on n'a rien fait avant, il va avoir un problème à un moment donné. Donc, chaque chose en son temps. L'enfant, si le plaisir n'est pas là, il n'aura pas le goût d'embarquer dans vos activités, vos propositions, vos contextes. Le plaisir. Puis le plaisir, bien, c'est en les observant, en regardant c'est quoi leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis il faut qu'ils se sentent compétents. Si l'enfant ne se sent pas compétent, il n'embarquera pas dans vos projets puis vos idées. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est des termes qu'on voit souvent. La manipulation, l'exploration, la découverte, bouger, c'est des choses qui font que l'enfant va, un, avoir du plaisir, mais on va partir vraiment par ce qu'il est, peu importe son âge de 0 à 6 ans, puis même par la suite. Donc, une participation active, il faut qu'il participe, il ne faut pas que ce soit tout le temps nous qui parlons, puis on dit tout quoi faire. Il faut que ça soit initié par l'enfant. Vous êtes là pour le soutenir, l'accompagner. Partir de leur connaissance antérieure, ils en savent des choses, ils en savent beaucoup, donc accorder de l'importance à ça. Puis beaucoup faire des liens aussi avec leur quotidien pour qu'ils prennent l'habitude de faire des liens dans tous les autres apprentissages qu'ils vont faire ensuite dans leur vie. Donc, contexte naturel et tout. Un peu plus précis du plus général que j'ai dit jusqu'à maintenant, le jeu guidé. On parle des fois de jeu libre. Un jeu libre, des fois, ça peut donner l'impression que c'est un jeu de laisser-aller. Un jeu guidé, c'est que c'est initié par l'enfant, mais c'est soutenu par l'adulte. Donc, ça, c'est important pour vraiment favoriser le développement de l'enfant. Il faut créer une zone de développement proximal. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de la fameuse zone ZPD, c'est-à-dire que c'est cette zone-là où l'enfant va être capable de réaliser une tâche, mais ce ne sera pas trop facile ou trop difficile pour lui, puis même que des fois, la tâche qui va être proposée, il va avoir besoin peut-être d'un enfant plus vieux ou peut-être même ou de l'adulte pour la réussir. Mais il faut une zone dans laquelle on lui offre un contexte où il va faire un effort pour se développer également. On veut qu'il construise du sens, on veut faire des choses qui l'amènent à découvrir son environnement, sa compréhension du monde aussi. Puis bien sûr, dans le jeu, bien, des fois on joue seul, des fois on joue en parallèle. Hein, ceux qui travaillent avec les enfants, vous savez qu'au départ, ils ont l'air de jouer à deux, mais ils jouent un à côté de l'autre. Mais peu à peu, les enfants amènent à interagir. Il y a un système de règles sociales qui s'ajoute. Donc, vous voyez, le jeu, on n'est pas juste dans le moteur, puis on n'est pas juste dans le développement langagier, on est dans toute sa globalité. C'est ça la force du jeu. Donc là, peut-être que vous dites, OK, bien là, on veut des idées, des idées. Nous, on n'est pas des filles à recettes, ni moi, ni Joanne, mais on a le goût de vous proposer plutôt des idées d'activités que vous pouvez adapter puis varier. Par exemple, dans votre local, instaurer un coin psychomoteur.
Vous pouvez vous le mentionner aux enfants. Dans ce coin-là, là, je vais mettre plein de choses. Puis je vais varier mon matériel. Parce que vous le savez, hein, des fois, on cache des jeux, puis quand on les ressort, là, c'est comme si c'était tout d'un coup un autre Noël. Ah oui, je me rappelle, on les avait déjà eus, ces jeux-là. Des échasses, des balles en mousse, des sacs de sable, des blocs. Vous sortez plein de matériel pour eux. Puis là, ça. Mine de rien, ils vont travailler plein d'éléments que Joanne vous a parlé tout à l'heure sur la motricité globale puis la motricité fine. Puis pour les plus jeunes, des fois, d'avoir du plus gros matériel, parce qu'on sait que la petite motricité fine, des fois, plus c'est gros, plus ça aide au départ. Puis là, on est du plus simple au plus complexe. Puis avec les plus vieux, bien, on va proposer des choses un peu plus qui demandent une dextérité d'enfiler, de lacer, de boutonner. Puis vous voyez, tout à l'heure, je vous disais des activités du quotidien. Bien, boutonner, c'est pas juste jouer un jeu, ça va être utile dans la vie du quotidien également. Puis je rappelle quelque chose que Joanne a fait un clin d'œil tout à l'heure, elle ne pouvait s'en empêcher, c'est que les directives canadiennes en matière de mouvement, lorsqu'on parle d'une journée, d'un 24 heures, on a remarqué qu'il faut augmenter puis soutenir la pratique d'activité physique parce que c'est en déclin. Encore plus, je dirais, avec la pandémie qu'il y a actuellement. Alors, pour les 3-4 ans, il est recommandé d'avoir au moins 180 minutes par jour, dont un 60 minutes d'activité physique vigoureuse, ça veut dire avec de l'intensité, là, OK? Puis de limiter le temps d'écran à une heure au moins. Ça veut dire que dans les milieux de garde, que ce soit à la maternelle ou en CPE ou en garderie, dites-vous que ne devrait pas avoir de temps d'écran parce qu'il y en a sûrement déjà à la maison, peut-être. Puis une heure, ça s'atteint très, très, très rapidement. Puis pour les enfants de 5 ans et plus, même chose, un 60 minutes d'activité modérée à vigoureuse par jour, puis avec une limite de 2 heures d'écran. 2 heures d'écran, là, encore là, c'est pas beaucoup. On diminue le plus possible le tout. Puis un minimum de 3 fois par semaine, bien, des activités de physique d'intensité qui sont dites élevées. Tout le temps dans une volonté de travailler le moteur qui va contribuer ensuite aux différentes autres sphères du développement, dont celle qui est reliée à l'émergence de l'écriture. Puis, pour le jeu guidé relié à l'émergence de l'écriture, bien, moi, je vous dirais que tout ce qui concerne le matériel, du papier, des fameuses enveloppes. Vous allez voir, là, les enveloppes, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, là, ils se mettent à écrire, ils donnent des enveloppes, ils envoient le tout, ça leur donne le goût. Des ardoises. Puis des fois, on lâche un peu le papier crayon puis on essaye d'autres choses. Des lettres avec des éponges, des fusains, des étampes. Vous pouvez même écrire dans du sable, de mettre à la disposition des enfants du sable pour qu'ils puissent tracer des lettres. Puis vous pouvez leur donner des modèles, peu importe, même s'ils sont plus petits, le modèle de leur prénom, qu'ils puissent l'utiliser. Mais maman, papa, ami, je t'aime, des choses qui vont vouloir peut-être, qui leur parlent davantage que, je ne sais pas moi, des mots qui sortent de nulle part, là. Donc, ajouter du matériel. Puis, je vous dirais que si vous voulez que les activités soient initiées par l'enfant, il faut mettre à leur disposition un environnement physique puis du matériel qui amène à ça. Donc, si vous voulez qu'ils jouent avec leur prénom, bien, vous pouvez les mettre sur des petites étiquettes. Mais pas les coller au mur, là, des étiquettes qu'ils vont pouvoir manipuler puis jouer avec aussi. Des jeux, des casse-têtes avec des lettres. On est déjà en train de travailler les premiers apprentissages de l'écriture. Les lettres de sable, vous savez, l'aspect moteur, là, on est beaucoup dans les sens aussi. Bien, vous pouvez mettre des lettres avec des petites pattes de sel qui puissent toucher. J'ai déjà vu des lettres aussi de bois qui sont gravées dans lesquelles l'enfant passe son doigt également. On est vraiment dans l'apprentissage par les sens, par le toucher. Puis afficher les écrits des enfants. On affiche souvent leur dessin, mais afficher aussi ce qu'ils ont écrit. Mettez en valeur leur petite tentative. Même si ils ont écrit une petite lettre à l'envers, on met en valeur, on regarde pas ce qui manque, on valorise ce qui est en train d'être construit. Puis les fameuses lettres de l'alphabet, que ce soit dans des services, dans des CPE où je suis allée observer ou dans des classes de maternelle, c'est souvent mis comme une décoration collée en haut. Ils ne voient pas, on les met à la hauteur de leurs yeux. C'est comme ça que ça va être beaucoup plus parlant pour eux. Puis si en plus, ils peuvent aller les toucher, les enlever pour pouvoir les réutiliser ailleurs, bien, c'est encore mieux. Puis comme autre activité, bien, tout à l'heure, on le mentionnait, d'écrire dans des trottoirs puis des lignes, sont petits, ils ne sont pas là. Faites des activités de graphisme avec eux, des dessins, où il va y avoir un mouvement de haut vers le bas, de gauche à droite, des rayures,
où le poignet va être amené à travailler, les petits doigts aussi. Jouer avec la pâte à modeler. Puis vous le savez, la pâte à modeler, il y a différentes forces. Et si celle qui est trop molle, bien, tout le monde est bon, bien, prenez une pâte à modeler un petit peu plus difficile, un peu, tu sais, qui doit travailler un peu plus les mains. Ça va, tout ça va aider ensuite à l'apprentissage de l'écriture. Différents matériaux. Encourager l'écriture spontanée. Et j'ai écrit maman. Même si c'est pas écrit maman, c'est pas grave. C'est un départ vers l'écriture de maman. L'écriture de son prénom. Le yoga des lettres, Joanne en a parlé tout à l'heure. On bouge puis on forme des lettres avec notre prénom. Des activités de peinture, de dessin. Je sais qu'il y a des crayons qui écrivent sur la table, sur l'image qu'on vous a déposée là. En fait, c'est des petits bâtons collants. Puis l'enfant a son petit modèle de nom, puis il doit manipuler pour essayer de reformer lui-même ses lettres. C'est pas facile. Il y en a qui ont travaillé vraiment très, très fort pour y parvenir. Puis pour terminer cette section, j'ai encore d'autres idées. Vous êtes le modèle de scripteur par excellence. C'est-à-dire que si vous écrivez devant les enfants, ils vous voient, ils vont vous poser des questions. Ils sont curieux, ils sont jeunes, là, ils ont toute cette curiosité-là, cette compréhension du monde-là qu'ils veulent bien comprendre. Écrivez devant eux. Dites-leur qu'est-ce que vous faites. Intéressez-vous à lui quand il essaie d'écrire, qu'il essaie de verbaliser, vous l'invitez, vous valorisez ses écrits, vous les affichez, vous les mettez en valeur. Puis, bien entendu, bien, vous variez le matériel. Vous ne laissez pas le même matériel la première fois que vous voyez l'enfant jusqu'à la fin de l'année ou à la fin qu'il quitte votre groupe. Puis, mettez en place des coins de jeu symboliques, par exemple, où le matériel écrit va être mis en valeur. Oui, les livres, mais l'écriture aussi. Je vous donne un exemple. Je suis allée dans une classe où l'enseignante avait fait un coin sous-marin. Puis dans son coin sous-marin, elle a mis à la disposition des enfants plusieurs livres des poissons, des animaux marins qu'on retrouve. Puis elle leur a mis des petites feuilles. Puis sur la petite feuille, il y avait comme un hublot. Puis c'était comme « Dessine-moi le poisson que tu viens voir dans le sous-marin. » Puis elle disait, si tu veux, tu peux même essayer d'écrire comme son nom. Mais les enfants, là, ça entre dans leur monde imaginaire, puis c'était comme, je viens de voir un requin! Puis là, ils dessinaient le requin, puis ils essayaient de faire des tentatives. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, bien, c'est sûr que ça va encourager l'enfant à faire ses premiers pas, ses premières tentatives en émergence de l'écriture. Puis, on pouvait passer sous silence des choses à proscrire. Parce que des fois, on voit des choses, puis on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que l'enfant est vraiment rendu là dans son développement? Avant de rentrer en première année, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des cahiers d'exercices de calligraphie? Est-ce qu'on est en train de muscler la main avant de muscler le reste? Il faut se poser la question. Des copies de mots. Si l'enfant, ça vient de lui, qu'il a le goût de copier son prénom, OK. Mais d'imposer des copies de mots, ils sont petits encore, ils ont d'autres choses à faire. On répond, est-ce qu'on répond vraiment à un besoin? Bien, si oui, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, on fait attention. L'écriture dans les trottoirs, non, on favorise les pages blanches. Puis plus l'enfant écrit, plus son écriture va rapetisser tout seul. Ne vous inquiétez pas. Puis quand un enfant refuse de faire des tentatives d'écrire ou vous sentez qu'il n'est pas intéressé vers ça, faites attention de ne pas l'obliger. Je vous donnerais plutôt comme mandat d'essayer de comprendre pourquoi il n'est pas intéressé vers l'écriture. Est-ce qu'il y a une difficulté motrice derrière ça, une difficulté de tenir le crayon? Est-ce qu'il se sent incompétent quand il regarde les autres? Parce que les enfants, vous le savez, ils s'observent, hein? Ils apprennent en imitant, puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas cette compétence-là. Donc, on n'oublie jamais un enfant à écrire. Puis on fait attention à tous nos commentaires négatifs. Ah, regardez la petite fille, c'est pas pour rien qu'on a mis cette photo-là. Parce que plein de gens pourraient dire, hey, elle tient son crayon bizarre, elle. On fait attention à ces aspects-là. On tourne le tout le temps de façon positive. Puis même chose pour la formation des lettres. Vous avez sûrement remarqué que beaucoup d'enfants qui écrivent les lettres souvent en commençant vers le bas, puis ils montent. Quand nous, on sait qu'on écrit généralement de haut en bas. On n'est pas là-dedans. S'ils s'intéressent à l'écrit, on valorise d'abord tout ça. Puis ça va venir, ça va se placer, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire des interventions qu'on dit des fois ponctuelles, mais toujours dans le respect de l'enfant puis de façon très positive. Je laisse la parole à Joanne qui avait une petite chose. On termine bientôt, mais je lui laisse la parole. Donc, dans le fond, tantôt on disait que ça prenait des activités qui étaient signifiantes, hein, dans des contextes naturels, utiliser le quotidien. Le jeune enfant a besoin de
il grandit dans un contexte ludique, donc utiliser ce contexte-là. Et dans toute sa... Tantôt, je disais, il y avait deux éléments, sa brièveté. Donc, les transitions et les déplacements, ici, on est davantage peut-être plus au milieu scolaire, mais même dans les services de garde. Donc, utiliser les transitions, utiliser les déplacements par exemple, ici, on a le jeu de la marelle, par des trajets, par des parcours pour amener à l'enfant à développer davantage son tonus musculaire. Lorsque l'enfant aussi va se rendre au tapis, se déplacer dans les transitions au début de la journée, avant de terminer la journée, pour aller au lavabo, etc., etc. Donc, amener l'enfant à se déplacer différemment, à reculons, hein, en pas de crabe, de côté. À deux, hein, la fameuse brouette qu'on faisait là, ce sont toutes des façons naturelles dans des contextes signifiants pour amener l'enfant à bouger, à se développer et à quand même diminuer l'aspect sédentaire. Donc, des situations d'apprentissage et de développement quand tout le temps, quotidiennement, dans les routines, dans les jeux libres, dans les actions de transition. Oui, on peut faire une petite séance de yoga. Oui, on peut faire une petite histoire en mouvement. Alors, ce sont tous des idées qui s'inscrivent dans le contexte de l'enfant signifiant et naturel. Ou partout. Je vous invite à aller dehors, parce que souvent, comme je disais tantôt, le terrain est plus accidenté. Alors, ça vient davantage plus améliorer le tonus musculaire, la stabilité du tronc, etc., etc. Dans la cour extérieure, évidemment, à la maison également, on essaie de prendre un corridor, un espace où l'enfant puisse se développer plus librement. Comment? Bien, en respectant les étapes de l'enfant, on peut revenir sur nos principes de base, la singularité, l'unicité. Hein, l'enfant se développe à son propre rythme, passe par les mêmes étapes, mais à leur propre risque. Donc, pour venir maximiser l'instance positive de la capacité de l'enfant. Et donc, de le placer dans des situations où il va être fier de lui, où il va le réussir, comme évoquait Annie. Alors, nous sommes prêtes pour les questions et peut-être en disant que si un enfant récite Balzac et raffole de l'algèbre en arrivant à la maternelle, il pourrait manquer au moins une chose pour réussir à l'école, qui est le développement de la motricité. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Joanne et Annie, pour cette vraiment très, très intéressante présentation. Donc, on a quelques petites questions qui vous sont adressées. Puis, j'invite les participants et participantes, si vous avez des bons petits trucs à partager, mettez-les dans le chat. Comme ça, on va pouvoir s'alimenter de ça. Vous allez peut-être pouvoir nourrir certains de vos collègues. Puis, si vous avez des questions à adresser à nos conférencières, bien sûr, le QR est là pour vous. Donc, on a une première question d'Hélène Daigneault qui se demande pour une activité aussi simple que la marche. Est-ce suffisant sur le plan de l'activité physique? Quelle différence ça peut faire de beaucoup marcher avec un enfant? Bien, la marche est une des expériences motrices qu'on doit mettre en place pour amener le développement et la stabilité du tronc, donc le développement du tonus musculaire et davantage plus au niveau abdominal. Donc, je disais tantôt, il y a les muscles du cou, ce sont les premiers muscles qu'on développe, ensuite les muscles du tronc, les muscles abdominaux. La marche va amener l'enfant à travailler davantage plus ce tonus-là en termes de posture. Et par la suite, la marche va amener chez l'enfant une plus grande précision, si vous voulez, dans la coordination. Alors, quand on regarde un enfant marcher au départ, il y a une base très, très large. Hein? Donc, il a besoin vraiment d'appuyer ses deux pieds et un déplacement très, très près entre les deux pas, si vous voulez. Alors, plus l'enfant, on va voir que plus l'enfant va devenir habile, plus l'enfant, il va ramener son en tout cas, ses jambes plus près de son corps. Donc, vous voyez, notre loi proximo-distale, elle est là. Donc, il va davantage développer les muscles près du tronc. Et là, il va gagner en vitesse. Oui, marcher, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été à proscrire là, dans les activités. Et l'amener par la suite vers, comme je disais tantôt, vers des terrains peut-être un peu plus accidentés. Hein? Donc, ça peut être juste dehors, hein? Dans l'herbe. C'est déjà pour le jeune enfant un terrain accidenté. Après ça, dans la forêt où on voit plus de racines. Et après ça, dans les pentes. Alors, on voit une graduation aussi dans sa stabilité et son contrôle musculaire.
Bon, ben moi, j'amène constamment mon petit gars dans un skate park pour monter toutes les buts qu'il y a là. Donc, j'imagine que je suis sur la bonne voie. Alors, on a une deuxième question ici de Guylaine Morin, une ancienne collègue ici à Montréal-Nord. Donc, je pose la question en fait sur les crayons qu'on utilise. Y a-t-il des meilleurs crayons, des types de crayons, que ce soit bois, cire ou des grosses prises, petites prises? Y en a-t-il même qui sont à éviter? Donc, y a-t-il de la recherche sur les crayons? Bien, moi, je dirais que c'est comme tout ce que j'ai dit depuis le début pour le matériel varié. En fait, plus vous vous présentez différents matériaux, bien, dites-vous que l'enfant, lui, il va les essayer. Il va avoir une préférence à un moment donné. C'est sûr que les crayons feutres, on n'a pas besoin d'appuyer très, très fort pour qu'il y ait un trait qui apparaisse. Mais par contre, pour les crayons de bois et les crayons de cire, surtout les crayons de cire, il faut appuyer très fort pour que le trait apparaisse. Hein. Donc, des fois, il y a des enfants qui vont être plus attirés vers les crayons feutres parce qu'ils ont moins cet effort-là. Mais encore là, moi, je pense qu'en mettant à la disposition des enfants toute cette variété-là de matériel, puis, mais ça peut arriver qu'une éducatrice dise « Ah, aujourd'hui, je mets juste les crayons de cire. Je veux voir comment les enfants se débrouillent. Je veux observer leur, comment ça va se passer pour eux. » Mais vraiment, de varier le matériel, je dirais que c'est la meilleure chose à avoir. Puis, pour avoir... J'étais dans un groupe de maternelle 4 ans en début d'année. J'ai même constaté qu'il y a des enfants qui n'étaient pas capables d'ouvrir les crayons. Ça demande quand même un effort aussi. Juste ouvrir le crayon, on est en train de travailler toutes des petits muscles, le refermer et tout ça. Donc, variez vos crayons. OK. Parfait. J'ai une question aussi personnelle. En fait, c'est quoi le rôle de la danse, de la musique, l'apprentissage du rythme et même peut-être de la danse, en fait, dans le parcours que fait un enfant pour le développement et l'apprentissage de l'écriture? C'est super, une question intéressante. J'ai un collègue qui s'intéresse beaucoup à ça. Donc, je vous invite à lire les travaux notamment de Jonathan Bolduc, mais les travaux aussi de Aimé Godet qui s'intéresse aussi à cet élément-là. Je dirais que de ce que j'ai lu de leurs travaux, tout ce qui concerne l'apprentissage de la musique, le rythme, il y a beaucoup de liens à faire avec la conscience phonologique, notamment. Donc, dites-vous que les rimes et la segmentation, parce que par exemple en musique, des fois on va avoir une sorte de rythme à suivre, un peu comme on le ferait pour segmenter des mots en syllabes notamment. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments en lien musique, conscience phonologique. Mais comme je ne suis pas une spécialiste de cet élément-là relié à la musique, à mon avis, il y a au-delà de ce que je viens de dire. Oui, j'ajouterais. Moi, j'ajouterais peut-être, vous avez sûrement vu tantôt dans ma fleur des composantes de psychomotricité, l'organisation temporelle. Hein? Alors, tout le temps, la durée, etc. Donc, dans l'avantage, ces éléments-là du développement psychomoteur vont venir asseoir des fondations, des bases au regard, effectivement, toute la conscience phono. Tantôt, on parlait d'inhibition, donc la capacité de freiner, la capacité de suivre un rythme, comment ça peut se transférer dans la lecture. Aussi beaucoup, mais dans l'écriture aussi. Je voyais dans les commentaires, je me suis dit, Frédéric, on a parlé de dessiner, hein, coucher, debout, j'ai pas toutes les... Donc, assis au sol, sur un ballon, etc. Tantôt, je vous parlais de dissociation puis d'inhibition. Okay? Donc, ces dimensions-là étaient vraiment servaient, si vous voulez, à améliorer le tonus, le contrôle musculaire. Alors, c'est intéressant quand on demande à un enfant, par exemple, de dessiner debout. Donc, on place la feuille collée sur le mur. Alors, on voit toute sa capacité de freiner le reste du corps pour écrire. Alors, ça nous donne une belle observation à savoir jusqu'où il est en train de dissocier ou inhiber. Hein? Le reste de certains muscles ou de groupes musculaires pour écrire. Jusqu'où qui est capable de venir dissocier, si vous voulez, l'épaule, le coude, le poignet. Alors, c'est des belles pistes d'observation quand on demande d'écrire sur le mur. Et quand on lui demande d'écrire au sol, alors vous voyez que c'est le corps
qui se mobilise forcément, hein, parce qu'à partir du moment que tu es au sol, et là, ça l'amène davantage plus à être précis. Mais quand on voit qu'il y a besoin du sol, si vous voulez, pour venir mobiliser les autres muscles, ben, c'est important qu'on vienne travailler des activités de plus grande amplitude. OK. Merci pour ces deux réponses. Alors, je passerai avec une question de Nassera Bourala qui demande est-ce que si un enfant, par exemple, prend un certain retard dans son développement moteur pour se mettre à marcher, donc prend plus de temps pour se mettre à ramper, se mettre debout et marcher, est-ce qu'il y a des conséquences qu'on peut envisager sur le développement de l'écriture? Je vais peut-être commencer, Annie, tu pourras poursuivre. Ce que je pourrais dire ici, c'est qu'il est important de rappeler que même si tous les enfants passent par les mêmes étapes de développement, ils le font à leur propre rythme. Okay? D'ailleurs, un enfant d'âge préscolaire, il peut avoir des écarts de 6 à 8 mois qui peuvent être observés pour l'apparition de certaines habiletés motrices. Donc, il faut surtout retenir que chaque enfant a son propre rythme. Hein? Et l'enfant qui marche peut-être plus tard, bien, il est peut-être en train de développer un autre aspect du développement. C'est souvent les enfants qui parlent beaucoup aussi dans ce sens-là. Évidemment, je n'ai pas de formation en physiologie ni en médecine. Ce que j'observe, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me reviennent en disant, il y a un spécialiste qui me dit que mon enfant doit absolument ramper pour marcher. Hein? Puis là, on l'amène chez les spécialistes pour l'amener à marcher plus rapidement. Moi, je dirais qu'il faut vraiment être centré sur les besoins de l'enfant avec son potentiel à lui, hein, à son rythme à lui. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas observé là, qu'une marche qui était développée un peu plus tard avait des incidences sur la motricité fine. Mais je reviens un peu sur la présentation. Il faut considérer qu'un enfant à très bas âge, okay, il peut avoir un écart jusqu'à 8 mois. C'est énorme, un enfant de 2 ans versus 2 ans et 8 mois en termes de développement. Fait que je pense qu'il faut respecter ce rythme-là pour chaque enfant. Puis, je reviendrai à dire, développons le tonus, amenons-le à rouler, à pousser, etc. Je te laisse peut-être poursuivre, Annie. Je trouve que tu as bien répondu à la question. Puis, moi, je n'ai pas lu d'études précisément sur cet aspect-là, mais je pense que si l'enfant, peut-être qu'il prend un retard pour apprendre à marcher, mais au bout du compte, il va finir par y arriver. Puis tout ce qu'il va mettre en place pour son développement, comme on disait tout à l'heure, sa motricité globale, sa motricité fine, bien, tout ça, peut-être que, qui sait, peut-être que ça va arriver un peu plus tardivement, mais peut-être que non plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter trop de ce côté-là. Merci. Une autre question ici. Comment on fait, et là, la question à 100 $, comment on fait pour expliquer aux parents qui insistent que pour développer l'écriture, il faut se mettre à écrire et donc pour être bon à l'école, il faut faire de l'école. Quels sont les arguments ou les outils qu'on a à notre disposition pour les expliquer en fait ce que vous avez déployé pendant une heure? Mais en tout cas, je vais peut-être laisser Joanne répondre, mais tu sais, le fameux petit bonhomme là, que Joanne a mis dans sa présentation, là, je trouve qu'une image vaut 1000 mots des fois. Hein? Puis peut-être que des fois, de présenter ce dessin-là aux parents, ça vous permet de greffer. Moi, je pense que vous êtes les spécialistes du développement de l'enfant, dans le sens que... vous travaillez avec les enfants, vous connaissez leur développement, vous êtes respectueux et respectueux de ce développement-là. Puis des fois, les parents, on est beaucoup dans une société de réussite, de performance, de plus en savoir que l'autre à côté. Donc, moi, je pense que si vous avez un discours relié au développement global et non pas d'un élément spécifique, je pense que ça va vous aider à convaincre les parents de ce côté-là. Puis allez-y toujours avec vos observations. N'ayez pas peur de démontrer votre mandat, votre couleur. C'est quoi votre rôle, vous, auprès de l'enfant? Est-ce que c'est vraiment de le préparer à l'école? Laissez-moi en douter. Je pense qu'on peut le préparer à la vie. On peut le préparer à sa, comme le disait tout à l'heure, à sa singularité, son unicité. Soit fort dans tout. Je pense qu'une
on aurait peut-être pu même dessiner un gros cerveau et un petit corps. Tu sais, on aurait, je pense qu'une image vaut peut-être mille mots aussi pour avec les parents. Chaque chose en son temps aussi. Et on peut parler des fois, est-ce que votre enfant a manifesté de l'intérêt? Parce que des fois, il y en a des enfants qui sont vraiment très, très, très intéressés par la lecture, par l'écriture et en bas âge. Si ça vient d'un intérêt de l'enfant, d'un besoin de l'enfant, bien, nourrissons cet intérêt-là puis ce besoin-là. Par contre, si l'intérêt provient du parent, puis l'enfant, lui, vous voyez bien qu'il n'en est pas du tout intéressé, bien, vous pouvez leur montrer, ah, moi, ce que j'observe de votre enfant, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à tel, tel élément. Est-ce que c'est pour ça que vous me posez la question, vous vous inquiétez parce qu'il n'est pas intéressé? Des fois, de retourner les questions aux parents, je pense que ça peut les amener à réfléchir. OK. Merci, Annie. Peut-être que je vais, par rapport à cette question, Frédéric, rapport à cette question-là, je vais peut-être vous amener dans un autre registre qui est la quête identitaire. Dans le fond, la réponse à la question, à quoi ça sert l'éducation? À quoi ça sert l'école? Alors, la manière que vous répondez à cette question-là, est-ce que je suis centrée sur les besoins de l'enfant ou je suis centrée sur les manques? À partir du moment que je suis centrée sur les besoins de l'enfant, bien, j'assure le développement de son plein potentiel ici et maintenant. Pas pour le préparer à la retraite, l'école pour ensuite le préparer au primaire, j'arrive à la retraite, le préparer au secondaire, au cégep, etc. Puis finalement, bon, on se prépare à la retraite, puis après ça, on se prépare pour mourir. Y a-t-il moyen de vivre au jour le jour? Puis aller chercher un peu cette quête identitaire, hein, parce que il y a quelque chose qui apparaît de plus en plus depuis les dernières années, puis les pédiatres l'amènent au premier plan, ils n'ont jamais vu d'enfant aussi anxieux, aussi jeune. Alors, je pense ici qu'on a une prise sur quel rôle comme éducatrice que je dois jouer, oui, auprès de l'enfant, mais aussi beaucoup auprès des parents. Fait que je pense qu'on a un rôle auprès des parents, mais pour ça, il faut être convaincu. Il ne faut pas être dans le besoin de reconnaissance, parce qu'à partir du moment que tu es dans le besoin de reconnaissance, bien, tu vas aller répondre aux besoins du parent, tu vas aller répondre aux besoins de la collègue, tu vas aller répondre aux besoins de la direction d'école. Donc, il faut être convaincu, hein, de pourquoi on est là comme éducatrice. Puis, par la suite, on aura la confiance pour pouvoir... soutenir l'enfant, mais soutenir la famille aussi. Parce que ce sont les adultes autour de l'enfant qui vont faire grandir et faire épanouir l'enfant pour son plein potentiel. Expose l'enfant comme tel. Là. OK. Parfait. Je vais vous poser une dernière question. En fait, j'ai un complément d'information. En fait, je vais tâcher de mettre dans le dossier documentaire qu'on va vous envoyer une référence. Donc, un outil qui a été produit par la concertation en petite enfance de l'Ouest de l'île, de nos collègues, qui ont un excellent outil sur comment préparer mon enfant à l'école. Et là, qu'on bâtit cet argument-là, justement, bien, pour être bon en mathématiques, pour être bon dans les mouvements, pour bouger, pour aller dehors, donc jouer à cache-cache et qu'est-ce qu'il faut pour être bon pour écrire? Et là, on ramène les arguments que vous avez dit. Donc, on a affaire à un outil qui a déjà mis dans un petit dépliant ce dont vous nous parlez. Fait que je tâcherai aussi de rendre ça disponible pour vous, pour que vous supportez dans votre argumentaire auprès des parents. Juste pour poser la dernière question, pour avoir fait le tour de toutes les questions, je vous demande une réponse en 20 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'inhibition chez les poupons? Ou est-ce une bonne idée de le faire? Ben, chez les poupons, on va travailler davantage plus vers le tonus musculaire. On va travailler peut-être plus vers la stabilité parce qu'ils sont vraiment dans des mouvements réflexes. Hein? Donc, plus le mouvement est réflexe, plus le mouvement est involontaire, ben, plus ça va être travaillé, ça va être difficile d'aller travailler le contrôle, le freinage d'un muscle ou d'un groupe de muscles. Donc, je viendrai travailler davantage plus sur la stabilité au niveau du tronc pour éventuellement, ça va mettre un peu la table à l'inhibition et à la dissociation. Mais au départ, il faut travailler le tonus pour une stabilité, pour l'amener vers ce contrôle-là. Est-ce que j'ai fait 20 secondes, 25 secondes? C'est excellent, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Donc, ben voilà, fait que cette dernière question est claire. Je vais conclure notre
notre très, très intéressant, très pertinent webinaire en compagnie de nos deux invités, donc Joanne April et Annie Charron. Donc, nous aurons permis de vraiment apporter un éclairage sur l'importance de la motricité globale auprès des jeunes enfants et leurs premières approches, la découverte de l'écriture. Donc, merci beaucoup. Nous avons comme quelques questions bon, qui se sont ajoutées en dernière minute. Là, on regardera si on peut vous mettre ça là, dans notre retour qu'on va vous faire avec l'ensemble des documents qui vont vous être transmis au courant des jours qui vont suivre. Donc, je vous rappelle que vous pourrez revoir le webinaire aussi qui sera déposé sur le site la fabrique des petits lecteurs et vous aurez accès donc aux documents qui vous ont été fournis, le PowerPoint utilisé et la bibliographie. Voilà, vous aurez ça entre les mains aussitôt qu'on pourra vous les acheminer. Donc, enfin, avant de vous quitter, je vous invite bien sûr à répondre à notre évaluation pour savoir si vous avez aimé la formule, le moment de diffusion. Donc, merci de répondre à ça. Ça nous aide, nous, à mieux planifier nos prochaines rencontres. Donc, voilà, et je vous remercie encore une fois pour votre nombreuse participation. On était presque 150 en ce beau samedi matin, donc ça fait plaisir de vous avoir vu en si grand nombre. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Avant de quitter, Frédéric, bonjour, mon nom est Maryse Perrault. J'ai coordonné les questions avec Frédéric. Je travaille à Réseau Réussite de Montréal. Je voudrais juste spécifier que ça va être d'abord sur le site de RRM et éventuellement, bientôt, sur le site de la Fabrique des petits lecteurs. Donc, si vous cherchez. Mais vous allez recevoir le lien chez vous avec le dossier documentaire dont Frédéric vous a donné le détail et le lien pour aller remplir l'évaluation. Alors, merci beaucoup de votre participation. Et merci à nos deux conférencières. Merci à vous. Merci. Bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. Merci.